ça a été un grand bouleversement. Le premier enseignement, c'est la capacité des équipes finalement à s'organiser, à se réorganiser dans un contexte complètement dingue. Confinement, télétravail, en tout cas pour les activités de service. Le deuxième, c'est qu'on peut noter que les DRH ont été en première ligne. D'abord, c'est la première préoccupation, ça a été la santé des collaborateurs. Il a fallu trouver des nouveaux modes de management en télétravail. Il a fallu s'occuper des salariés en situation de vulnérabilité. Et puis le troisième point, c'est que finalement, la problématique de la santé est rentrée de plein pied dans l'entreprise. Et je pense que ça va changer le rôle, la responsabilité, les engagements des entreprises vis-à-vis de leurs salariés et notamment de leur santé. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'actionnaire, donc on n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Voilà. En revanche, on est performant et du coup, notre performance, on la met au service de nos clients. On développe un certain nombre de services au-delà de l'offre d'assurance que l'on propose soit aux DRH, soit aux salariés. Et puis, on a énormément d'engagements sociaux puisque, bon an mal an, le groupe Malakoff Humanis, c'est 160 millions d'euros par an qui sont consacrés soit aux actions sociales, soit aux actions sociétales. Et dans les actions sociétales, on intervient sur le cancer, et notamment le retour en entreprise, le handicap, et notamment en entreprise, les aidants, et notamment les aidants salariés, puis le bien vieillir et la perte d'autonomie, qui pour nous, pour un groupe de protection sociale qui s'occupe aussi de retraite complémentaire, c'est un continuum, bien vieillir et perte d'autonomie. C'était important de donner la parole à la fois aux Français, aux chefs d'entreprise et aux DRH, ainsi d'ailleurs qu'aux professionnels de santé. Alors j'ai retenu quelques chiffres concernant les DRH dans cette étude. Donc je sors mon anti-sèche. On a 93% des DRH qui considèrent que le système actuel, c'est-à-dire sur deux piliers, l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire, fonctionne bien. 91% considèrent que la liberté de choisir, à la fois la liberté de choisir, c'est garanti, et la liberté de choisir son praticien sont absolument fondamentales. 56% considèrent que c'est le fait de négocier un contrat de santé et de prévoyance d'ailleurs fait partie du dialogue social. Et enfin, 63% considèrent qu'il faut maintenir le système tel qu'il est aujourd'hui. On est vraisemblablement sur un équilibre qui permet d'éviter une médecine à deux vitesses. Si on libéralise trop, on est dans le système américain médecine à deux vitesses, et si on étatise, là on est dans le système anglais ou espagnol, et là aussi ça conduit inévitablement à une médecine à deux vitesses, donc surtout préserver notre système actuel.